Hello tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un unboxing. C'est la dernière box de chez Yves Rocher, la Botanical Beauty Box. J'ai reçu donc celle de février me semble-t-il. Je l'ai déjà un petit peu ouverte mais je voulais vous en parler parce que dans mon dernier vlog je vous ai demandé, enfin dans mon dernier, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sera publiée, mais en tout cas dans un de mes vlogs je vous ai demandé si vous vouliez que je vous fasse un unboxing de cette box en vidéo. Vous m'avez dit oui, donc je m'exécute, je vous demande souvent votre avis, j'adore faire comme vous me demandez dans la mesure du possible, et du coup voilà, donc je l'ai un petit peu ouverte parce que je suis une grande curieuse et du coup j'ai craqué. Alors comme la dernière fois, vous avez des petites graines à planter comme ceci, donc c'est un petit rond qui se découpe comme une sorte de carte en fait. Vous mettez dans la terre, vous recouvrez un petit peu de terre et vous arrosez et ça vous donne des petites fleurs. Je trouve ça trop mignon. Donc là, le thème de la box c'est hiver en fleurs. On va voir ce que ça donne. Alors en goodies, ils ont mis un petit cache-pot comme ça. Alors ça par contre je suis pas trop fan, voilà, donc c'est particulier quoi, enfin, faut que ça aille avec l'intérieur, donc un petit cache-pot comme ça avec marqué botanical dessus et avec des fleurs un petit peu tropicales dessus, bon pourquoi pas. Comme la dernière fois, vous avez un petit livret comme ceci, donc avec la présentation des produits qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, on va pas rester 36 ans à parler du livret. Donc on commence par ceci. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est une huile végétale relaxante à la fleur d'oranger et la lavande et au petit grain. Et cette huile, elle sent tellement bon. Si vous aimez la fleur d'oranger, oh, ça sent tellement bon. Ça sent le bébé, ça sent... Effectivement c'est très relaxant comme odeur. Je trouve que c'est apaisant. Ça vous enveloppe un petit peu. Vous voyez la fleur d'oranger comme ça vous donne ce côté... léger, ça vous déstresse en fait. Moi ça me déstresse, la fleur d'oranger c'est pour moi c'est le bébé, c'est l'insouciance, c'est tout ça. Et cette huile là, elle est vraiment, elle sent très très bon. Donc c'est une huile de massage pour le corps. Et voilà, donc on peut s'en servir seul ou ajouter à une crème pour le corps pour la parfumer. Et voilà, donc c'est pour faire des massages ou pour en utiliser au quotidien tout simplement. Donc voilà, donc c'est une taille de vente, c'est du 150 ml. Je sais pas du tout combien ça vaut en magasin, j'essaierai de vous mettre le prix là. Je vous mettrai de toute façon tous les liens de la box en barre d'information aussi. Et je vous ferai le ratio, je pense, à la fin de la vidéo. Je vous dirai, voilà, le total des produits fait ça et la prix de la box fait ça. J'essaierai de vous faire une petite incrustation de texte juste là pour que vous puissiez voir si la box est... la box est intéressante. Voilà, donc voilà pour cette huile. Ensuite, ils nous ont mis une taille de vente de mascara, le Sexy Pulp. Je l'ai déjà testé. C'est pas un mascara que j'affectionne plus que ça. C'est un mascara moyen. Il est correct. Moi, c'est pas mon mascara, quoi. Voilà, donc il est pas mal. Mais c'est pas le mascara du siècle. Donc, ils nous l'ont mis en taille de vente. Et il est en noir. Voilà. Donc, il n'est pas waterproof. Voilà. Mais bon, ça fait déjà un mascara en plus. Ensuite ils nous ont mis donc une miniature de 15 ml d'un parfum qui s'appelle l'Évidence en eau de parfum. Donc ça c'est plutôt bien. Si vous ne savez pas ce que c'est la différence entre une eau de parfum et une eau de toilette, l'eau de parfum est plus concentrée en parfum pur que l'eau de toilette, c'est moins dilué dans l'alcool. Donc forcément une fois que l'alcool s'évapore, vous avez plus de parfum qui reste sur vous, sur vos vêtements, etc., qu'avec de l'eau de toilette. Donc c'est pour ça que ça tient mieux, parce que vous avez plus d'extrait pur dans l'eau de parfum que dans l'eau de toilette. Voilà, donc là c'est l'eau de parfum. Je ne l'ai pas senti à vrai dire. Donc on va, alors pour bien sentir un parfum, pour ne pas avoir le côté alcool et avoir un développement du parfum qui soit assez rapide, vaporisez-le dans l'air et passez votre main dans le nuage de parfum. Vous verrez que vous aurez vraiment plus ce côté, vraiment le parfum tout de suite que l'alcool qui vous monte au nez. Alors c'est quelque chose de très très fleuri, hein. C'est pas mon truc, hein. J'aime pas trop les fleurs comme ça. Bergamote rose, ah bah voilà, c'est pour ça que j'aime pas, parce que j'aime pas la rose. Et patchouli, un floral épicé, fruité, mielé, rehaussé des notes d'agrumes. Ouais, en laissant en note de tête. Donne l'effet d'un bain de soleil vivifiant. Bon, ça sent la rose quand même, hein. Ça sent la rose, on sent un petit peu le côté agrumes pétillant en note de tête, mais après ça sent la rose, hein. Alors, et ensuite ils nous ont mis donc
une taille de vente de crème de jour hydratante. Donc c'est le gel crème hydratation non-stop 48 heures, donc en 50 ml. Et qu'est-ce qu'ils disent que c'est hydratant protecteur? Voilà, donc ça, ça va à tous les types de peau, surtout un gel crème. Bon, si vous avez la peau sèche, un gel crème, c'est pas suffisant. Il faut vraiment une crème ou une crème plus riche. Mais le gel crème, pour une jeune fille, pour une jeune femme, pour une personne qui n'a pas forcément beaucoup de problèmes de peau, l'hydratation, c'est le premier anti-âge que vous puissiez avoir dans tous les cosmétiques. Si vous avez une peau bien hydratée, mais en continu, vous aurez moins de vieillissement. C'est le premier anti-ride, premier anti-âge, c'est une bonne hydratation. Après, il y a d'autres choses, excès de soleil, c'est pas bon, enfin bon, bref. Mais l'hydratation, c'est quelque chose de très important si vous voulez pas avoir de rides ou de ridules ou de problèmes de peau. C'est la base. Donc, apparemment, c'est selon le type de peau. Donc, c'est très très bien. Moi, je crois qu'il y avait un questionnaire, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre, je crois qu'ils ont dû faire selon mon profil, parce que ça, je l'ai reçu via Octolit, j'ai oublié de vous le dire. De toute façon, à partir de maintenant, j'essaierai de me créer un petit logo. En début de vidéo, je vous mettrai partenariat, si c'est un partenariat, et partenariat barré, si c'est pas un partenariat. Comme ça, vous saurez tout de suite si c'est un partenariat ou pas. Donc cette box-là, j'ai reçu via Octolit. Et du coup, c'était par rapport au type de peau. Donc ça, c'est personnalisé, c'est très très bien. Ça, c'est pas dans toutes les box que vous trouvez ça. Donc c'est plutôt bon. Donc voilà pour cette box de Yves Rocher. Je vous mettrai maintenant les totaux de produits qu'il y a à l'intérieur et le prix de la box ici, comme ça vous pourrez faire le ratio et savoir si la box est intéressante. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je teste la prochaine box de Yves Rocher, celle du mois prochain ou celle du mois d'après, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir. Moi, en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, bye bye.